Daou, bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien ministre de la Défense. Selon vous, un état de siège? Un état de siège, c'est une disposition qui est particulière à chaque situation. Il n'y a pas une définition unique de l'état de siège. Le tout réside dans la façon dont on utilise cette possibilité pour régler une situation particulière. Alors, en ce qui concerne l'état de siège décrété au Congo, je crois que c'est pour une période limitée, parce que forcément l'état de siège doit être limité dans le temps. C'est justifié par une situation d'urgence, de sécurité, et en plus, ça reste sous le contrôle des autorités politiques civiles. L'autre élément, c'est que cet état de siège tel qu'il a été décrété, l'a été, si mes informations sont exactes, après avoir informé les voisins, les pays voisins, ce qui effectivement justifie les propos qui ont été tenus par les responsables politiques des pays voisins quant à leur compréhension et à leur soutien de cette décision qui a été prise par le président de la République démocratique du Congo. Donc je crois que l'état de siège est un instrument, est un moyen pour un chef de l'État qui est toujours responsable politique de contrôler une situation pour amener dans l'intérêt de l'ensemble de la population un maximum de sécurité dans un temps limité. Êtes-vous pour ou contre ? Je suis un pragmatique et je crois que la décision telle qu'elle a été prise est une décision de pragmatisme qui poursuit un objectif de ramener la sécurité et donc aussi ramener la sécurité pour les populations, parce que je crois que le premier intérêt, c'est la population, les hommes, les femmes, les enfants là sur place. Et donc c'est dans cet état d'esprit que la décision a été prise et en cela, je crois qu'il faut être favorable, puisque des garanties sont aussi données. Et dans un délai de 30 jours, pensez-vous qu'ils vont y arriver? C'est très difficile. Quand on place des délais, tellement d'événements peuvent intervenir. 30 jours en politique, c'est une éternité. Et donc, je crois qu'en ayant donné un premier délai de 30 jours, il faudra qu'une évaluation interviennent et il y aura peut-être des prolongations, mais ça c'est aux autorités politiques à décider.